qu'est-ce que vous faites? Émilie? Oh, mon tout petit. Retourne donc te coucher. Hugo. Elle est morte? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord? Ils sont passés. Ma tête. Est-ce que c'est un rêve? Non. C'est pas un rêve. C'est vrai. Oh, il y a des gens. Émilie! Oh, mon tout petit. Retourne donc te coucher. Hugo. Elle est morte? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord? Ah!
vite! C'est trop tard! Laissez-moi! Messire, pensez à vos sujets! Messire! Vous ne quitterez jamais cette île! Je n'en ai pas fini! Amicia. Amicia, où es-tu? Je suis là. Parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. C'est ton bras? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Allez. Ah.
Hugo, on y va. Moyen de sortir. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. Impossible de bouger ça d'ici. Les marques de l'Immacula en revanche semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Laisse-moi voir tes yeux. Continue. Pupille pas dilatée. Il cligne à peine. Son esprit semble éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. Ah.
C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Les flammes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi ? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non ! Non ! Ce n'est pas chez toi ! Hugo, regarde-moi ! Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer ! Non, assez ! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia, concentre-toi ! Tu dois le faire revenir. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Restez près de moi. La nébula est partout. Fais attention à ta torche. Oui. Hé ! Attention ! Ah ! Qu'est-ce que... C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Oh ! Reste avec moi. Il y en a encore. Je les vois. Attention ! C'est pire que tout.